ce financement de plus de 18 milliards de francs CFA accordé par la Chine est destiné aux projets à fort potentiel des secteurs publics et privés. Précision faite par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, au sortir de l'audience qu'il a accordée au directeur général de la Silk Road Investment Fund, Zhu Chunyu, un fonds d'investissement chinois. Les discussions sont dans leur première phase de négociation qui doit aboutir à un décaissement imminent du montant subventionné. Sa mise à disposition doit accélérer la mise en œuvre des projets inscrits dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, un projet qui sert de cadre référent des interventions de tous les acteurs de développement financier du Cameroun pour les 10 prochaines années. La Chine reste un partenaire stratégique dans le développement du Cameroun, car depuis plus d'une décennie, ce pays finance de nombreux grands projets dans les secteurs énergétiques, routiers, portuaires, sportifs et sanitaires. La matérialisation de ce nouveau projet va permettre de renforcer davantage les liens de coopération entre les deux pays.